Preview. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في الفيديو 102 المتعلق بدروس السنة الأولى بكالوريا مادة اللغة الفرنسية. نقدم من خلاله اليوم بعض الأسئلة المتكررة في مجموعة من الامتحانات الجهوية، وهي أسئلة متعلقة بلابوات أ ميرفي. Alors, je vous propose quelques questions et bien sûr avec leurs réponses pour avoir une idée sur les examens régionaux en langue française première année bac. Alors, la première liste de questions concerne des questions qui ne demandent pas une lecture détaillée, mais ce sont des informations qu'on peut dégager du paratexte. هي أسئلة متعلقة بقراءة ما يسمى بالعتبات، يعني الغلاف ومقدمة وعناوين الفصول إلى غير ذلك. La première question: quel est le titre de l'œuvre? De quel genre littéraire s'agit-il? À quel courant appartient-elle? Alors, avec la couleur jaune, on a signalé le titre, le genre, le courant. Alors, pour le titre, vous le connaissez déjà, c'est La boîte à merveilles, écrite en 1952 et publiée en 1954. إذن لا بواط أميرفي كتبت في سنة 1952 وتم إصدارها في سنة 1954. La deuxième question, on cherche le genre littéraire, الجنس الأدبي. C'est un roman autobiographique. هو رواية أو هو سيرة ذاتية. Pour mieux expliquer, on peut dire c'est un récit à la première personne où le narrateur personnage distinct de l'auteur. إذن هذه فقط إضافة للشرح ويمكن أن نتوقف هنا ونقول c'est un roman autobiographique. La troisième question, à quel courant littéraire? Bien sûr, on a déjà dit la littérature maghrébine de l'expression française. La deuxième liste de questions, la question numéro 4, qui en est l'auteur? من هو الكاتب? Avec quel registre de langue écrit-il? بأي مستوى لغوي يكتب هذا الكاتب. Le registre de langue en français ou bien dans les langues en général, on a trois niveaux de langue. عندنا ثلاثة مستويات لغوية. المستوى الأول, c'est le niveau de langue soutenu. Puis le niveau de langue standard ou bien courant. Et le troisième niveau, c'est le niveau de langue familier. إذن عندنا مستوى لغوي راقٍ, مستوى لغوي متوسط, ومستوى دارج أو عامي. La sixième question, identifie le narrateur. Le narrateur, أو ما يعرف بالراوي. Identifie من هو, أو ما هو هذا الراوي. Numéro 7, quel est son âge? On cherche son âge. Et la dernière question, quel sentiment éprouve-t-il? Alors, l'auteur, le registre de langue, le narrateur, Rawi, l'âge, ou sin, et aussi, on cherche le sentiment, ou l'ihsas, l'ihsas, ou l'shu'ur, l'adhi yuqaddimuhu, hada al-Rawi. Idan, as'ila, ajwibatuha, katali. Pour l'auteur, Ahmed Sfrioui, on peut ajouter la date de naissance 1915 et la date du décès 2004. Numéro 5, le registre, c'est un registre de langue courant ou bien standard. إذن هذا الكاتب يستعمل مستوى لغوي متوسط. ليس راقٍ كتابة يعني soutenu
وليس فاميليي أو دارج، فهو لغته لغة متوسطة تفهمها فئة كبيرة من الناس. إيدونتيفي سون ناراتور، سيدي محمد سي لو ناراتور دو لا بواط أ ميرفي. سيدي محمد لو بيتي أنفون دو 6 أن، كوم فو فويي دون لا كيستيون نيميرو 7. Quel est son âge? C'est un enfant de 6 ans. C'est très bien. Alors, pour la huitième question, quel sentiment éprouve-t-il? عن أي شعور يعبر؟ يعبر عن شعور la solitude ou الوحدة ou العزلة. La solitude. La solitude, c'est un thème aussi de la boîte à merveilles. On passe directement à la question numéro 9. Cite quelques personnages principaux. Cite, ça veut dire اعطي أو أجرد أو عدد مجموعة من الشخصيات الأساسية. Il y en a beaucoup. Par exemple, Sidi Mohamed, son père Abdeslam, sa mère Zubida. Ce sont des personnages principaux. Et on trouve aussi des personnages secondaires. La voyante, Driss Laouad, Rahma, Zineb, Fatma Lbziouia, Lalla Isha, Le Friq, et bien entendu, on peut trouver d'autres en lisant les chapitres de la boîte à merveilles. Alors, avec la couleur jaune, je vous ai proposé les personnages principaux. La dixième question, où se déroulaient les événements du récit? Alors, quand on pose la question avec cet adverbe « où », on cherche le lieu, on cherche la place, on cherche les lieux dans lesquels passent les événements du récit. Bien entendu, il y en a beaucoup de lieux et on peut les classer aussi selon des lieux principaux et des lieux secondaires. On trouve Darchouafa, le Msid, le Bain, la maison de la Laïcha, la Kessaria, les ruelles, la chambre, le souk des bijoutiers, le mausolée, la maison du Fri, Sidi Larrafi, et aussi la Médina. Alors, tous ces lieux sont présents dans la boîte à merveilles. Et vous voyez, il y a des mots en arabe. Il y en a quelques mots en arabe, comme Darchouafa, المسيد أو الجامع، قصرية، وهنا يمكن أن نقول بأن الكاتب يستعين باللونجاج فاميلي أو مستوى اللغة الدارج أو العامي أو المتداول. C'est très bien. Alors, la question numéro 11. Quels sont les grands thèmes de l'œuvre? Un thème, le thème, le موضوع. ما هي الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ أو ما هي القضايا التي عالجتها la boîte à merveilles? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. La famille, la solitude, la superstition, le khurafa, la magie, السحر. ويمكن أن نكتشف أيضا مجموعة أخرى من المواضيع. Il y a beaucoup de thèmes, bien sûr, qui ont de grands liens avec la culture marocaine. Numéro 12. Quel est l'événement perturbateur? ما هو الحدث الأول في هذه الرواية? L'élément perturbateur, on peut l'appeler aussi modificateur ou bien déclencheur. هنا نتحدث عن la ruine du père. La ruine du père ou bien Iflas l'Ab qui a perdu son capital dans le souk. إذن هنا الأب فقد رأس ماله في السوق وبالتالي هذا الحدث سيؤثر على المسار أو مسار القصة كلها. La treizième question, quel en est le dénouement? Le dénouement أو الحل أو الحدث النهائي التي اختتمت به هذه الرواية. Alors, on peut parler du retour du père et la réouverture de la boîte. عودت الأب وفتح العلبة من جديد. Alors, la question numéro 14, c'est la dernière question que je vous propose. Que signifie la boîte pour le narrateur?
هاتي العلبة عن ماذا تعبر بالنسبة إلى الراوي؟ هل هي علبة يعني المقصود منها العلبة التي نعرف، أم أن لها معان أخرى؟ إذن هنا نتحدث عن معنى آخر qui s'appelle le sens connoté. Le sens connoté, كما تعرفون فهو معنى مجازي آخر ضد المعنى الحقيقي. Alors pour la boîte, il signifie le refuge, الملجأ. La boîte lui permet de s'évader du monde réel. تسمح له بالهروب من الواقع. وبالتالي, grâce à la boîte, il se sentira moins seul et moins triste. عندما يكون بقرب هذه العلبة, لا يحس بالعزلة ولا يحس بالحزن الشديد. وبالتالي, هنا العلبة عبارة عن ملجأ يلجأ إليه الراوي. إذن هذه مجموعة من الأسئلة حاولوا إعادتها وإعادة الإجابة لأنها أسئلة تتكرر في الامتحانات وتتكرر أيضا في عدة مواضيع ولا يحتاج لا تحتاج الإجابة عنها القراءة المفصلة للرواية ولكن كما قلنا فهي إجابات نستشفها ونستخرجها من دراسة الغلاف ودراسة الفقرات الأولى والتعرف على المعلومات العامة داخل هذه الرواية. أشكر كل التلاميذ الذين يتابعون هذه الدروس والذين انخرطوا يعني في القناة وأخبروا بها أصدقائهم وهدفنا دائما هو النجاح إلى الأمام. حاولوا دائما يعني الاستفادة أكثر من هذه الدروس عن طريق التمارين وعن طريق التطبيقات. إلى فيديو آخر أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.